bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors pour une fois que j'interviens pas sur la nuit tombe, donc voilà, toujours dans la contradiction et le paradoxe. Alors peut-être en introduction, parce que c'était la demande des organisateurs et Duc de Jouvenel, peut-être démarrer sur des constats qu'on pourrait partager. En tout cas, c'est mon approche de ce qui semble être une espèce de Big Bang. D'autres en ont parlé avant nous, des organisations, des temps, des mobilités et des territoires. Et je voulais vous proposer trois premières figures pour réfléchir un petit peu ces évolutions. La première, c'était la notion d'étalement. Quand on la regarde à travers la question de l'espace, du temps et des mobilités, on constate que la ville a cassé ses frontières et il y a des générations de géographes comme moi qui ont cherché à essayer de délimiter les frontières entre la ville et le reste. Et puis on y perd un certain nombre d'années et on court en permanence derrière ces frontières. Donc la ville s'étend et pour la première fois, paraît-il, dans l'histoire de l'humanité, on serait en majorité des urbains sur cette terre. Donc on est face à un truc qu'on ne sait pas trop gérer qui s'appelle la ville et qui est notre matérialité, mais aussi l'espace dans lequel on va se mouvoir et essayer de vivre ensemble. Donc la ville s'étend, elle ignore les frontières. On nous parle d'une Europe des régions, on nous parle d'une Europe des États. Moi, ce que je vois en tant que géographe, c'est une Europe des villes qui s'organise et se désorganise. Deuxième élément, si on reprend cette notion d'étalement, on peut y réfléchir à travers la question du temps. Et de la même façon que la ville s'étale sur l'espace, aujourd'hui l'activité s'étale sur ce qu'avant on pouvait qualifier de temps mort, en tout cas de temps hors sphère purement économique. Je parlais de la nuit, Hugues m'a fait l'amitié de préciser les travaux que j'avais pu mener sur ce thème. Aujourd'hui la nuit est grignotée par l'activité, on est à Paris, on voit aujourd'hui que les frontières du jour sont en train de progresser et que la nuit se réduit au fur et à mesure des années, à 3 heures à peu près dans le temps d'une ville, même d'une métropole moyenne. Le week-end, c'était un temps d'arrêt autrefois. Aujourd'hui, une majorité des salariés travaillent le samedi, et on parle encore que des salariés. On nous promet des ouvertures de magasins le dimanche, donc on voit que cette frontière, elle est en train aussi de grignoter. Alors moi, je suis né en province, j'ai haï les dimanches de province, mais ça a été à peu près le seul moment où j'ai pu discuter avec mes grands-parents et mes parents. Et quand je vois qu'aujourd'hui, face à ça, on est en train de détricoter quelque chose en se disant qu'on va ouvrir les magasins le dimanche de façon massive, je me pose la question ensuite du droit à la mobilité pour celui qui travaille le dimanche, et ainsi de suite. Ce n'est pas un acte gratuit, c'est un acte important. On parle ici de développement durable, me semble-t-il. Ça mérite pour le moins un débat. Voilà, c'était un premier élément. Puisqu'il y a un étalement de la ville, puisqu'il y a un étalement des temps, je parle aussi de l'étalement de l'activité sur un autre temps particulier qui était le temps du repas, entre midi et deux. Aujourd'hui, c'est 40 minutes. Il s'est réduit entre salariés. Aujourd'hui, on imagine que c'est à peu près 40 minutes le temps qu'on passe pour le repas de midi. Une majorité des Français ne rentrent plus chez eux, bien sûr, manger. Et en Grande-Bretagne, paraît-il, on serait à 12 minutes de temps pour un repas entre midi et deux dans l'entreprise. Alors vous souriez, mais j'ai essayé tout à l'heure de prendre... Mais on grignote tout le temps. Mais on grignote tout le temps, c'est le snacking. Bon, voilà, c'est cette figure aussi du zapping. Moi, je me souviens que la première fois que je suis allé à New York, il y a quelques années, j'ai regardé manger en permanence, je me disais, c'est incroyable. Et puis eux, quand ils venaient, parce que je m'occupais d'implantation d'entreprise en Alsace, et quand ils venaient en Alsace pour essayer de s'installer, je voyais bien que dans leur regard, le repas de midi, c'était une inquiétude, parce qu'ils savaient qu'ils seraient installés pendant 3 heures à table. Alors ça s'est réduit, même les repas d'affaires se sont réduits en France. Donc vous voyez, il y a une espèce d'étalement de l'activité sur ce qu'étaient des temps d'arrêt. Deuxième proposition, c'est la question de l'éclatement. Alors éclatement des espaces, si vous dessinez la carte de votre espace vécu, il y a des endroits où vous dormez, des endroits où vous amusez, des endroits où vous approvisionnez, des endroits aussi où vous travaillez. Et ça ne ressemble pas tout à fait à la carte de l'espace vécu de mon grand-père et même de mes parents qui fonctionnaient comme des coquilles successives. On est dans une figure un petit peu de l'archipel, donc il y a un éclatement des espaces et cette figure-là. Un éclatement des temps aussi, on n'est plus dans des grands temps qui synchronisait la vie de nos agglomérations et de nos villes. Alors je ne reviens pas au temps du soleil et des saisons, mais rappelez-vous du temps de l'église et rappelez-vous aussi du temps des cloches,
de l'Église, à un moment où on expulse et on arrête même les cloches dans nos campagnes, parce que ça gêne les urbains. À un moment comme celui-là, c'est intéressant de se rappeler que notre vie, nos grands rythmes, c'était ceux des cloches de l'Église. Alors, j'ai pas connu, sans doute qu'il y a peu de gens qui ont connu ça ici dans cette salle. Par contre, j'ai connu le temps de la sirène de l'usine. Je viens d'une région en Lorraine où toute la ville était organisée par l'usine et par ce rythme et ce signal de la sirène de l'usine. Et je me suis demandé aujourd'hui quel était le signal qui pouvait... Ils ont représenté, de la même façon que pouvait le faire le soleil, la cloche ou bien la sirène de l'usine, pouvait représenter notre modernité ou notre hypermodernité. Et puis comme on s'est posé un peu la question tout à l'heure d'éteindre ou de ne pas éteindre son portable, je ne l'ai pas éteint pour enregistrer ces quelques paroles, alors j'espère qu'il ne sonnera pas. Et il me semble que c'est cet outil-là qui nous sert quotidiennement, parce qu'on est passé d'un temps collectif à un temps pivot. Là-dessus, je stocke du temps, je stocke des contacts, j'ai l'illusion de l'ubiquité, vous aussi peut-être, parce que vous êtes peut-être en train d'organiser votre soirée en ayant une oreille discrète sur ce qu'on va dire ce soir. Voilà, cet outil-là, c'est un outil du temps pivot, et c'est aussi un outil d'une forme de resynchronisation, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc, éclatement des espaces, éclatement des temps, et donc cette figure-là qui est possible. Troisième phénomène, me semble-t-il, c'est la mise en urgence et la dictature du temps réel. C'est cette incapacité qu'on a à attendre aujourd'hui et à être patient. Il m'arrive comme vous certainement d'aller à la poste. C'est vrai que les files d'attente à la poste, c'est quelque chose qu'on ne supporte plus. Comme on ne supporte plus la personne âgée qui est dans la file d'attente à un moment où normalement elle ne devrait pas y être, puisqu'elle a le temps toute la journée. Sauf qu'on oublie qu'elle ne vient pas simplement pour consommer un timbre ou pour une action économique, elle vient pour rencontrer d'autres personnes. Mais je pense que cette anecdote résonnera sans doute par rapport au sujet de ce soir. Alors les figures qui ne sont pas des utopies pour moi, mais les figures de la ville, on a l'habitude d'essayer de construire des représentations et puis ou d'avoir quelques métaphores sur lesquelles s'appuyer. Il me semble qu'il y a la figure de la ville diffuse, hein, une ville dont on ne voit plus tellement les limites. On l'imaginait dans l'espace, on le voit aussi dans le temps. On a cette figure de la ville en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors on n'y est pas, mais on voit que dans les villes, il y a des endroits qui s'arrêtent de moins en moins et que ça serait une possibilité de croissance ou de développement, paraît-il, puisque c'est une des propositions qu'on nous fait. La ville éclatée aussi, la ville à plusieurs temps, hein, quand on fonctionnait tous dans des rythmes collectifs, c'était facile d'organiser les transports, c'était facile d'organiser les services. Aujourd'hui, on a organisé une ville qui travaille, une ville qui s'amuse, une ville qui essaye de dormir, une ville qui s'approvisionne, et tout ça sur le même espace. Donc comment on fait et quel mode d'organisation on peut avoir là-dessus ? La ville en mouvement, c'est aussi une figure de la ville. C'est parfois un slogan publicitaire, mais c'est aussi une figure de la ville. La ville en temps réel, et puis une figure qui est celle du consommateur, me semble-t-il, c'est cette idée d'une ville à la carte, cette idée d'une ville 24 heures sur 24 sans doute, mais une ville où on pourrait trouver tout de suite et à n'importe quelle heure, avec cette idée qu'on peut se la recomposer, cette ville, comme on veut, et que l'individu a la capacité de la recomposer. Alors les conséquences de ces évolutions, évidemment caricaturales dans ma présentation, c'est un accroissement de la complexité. Mais Morin nous avait dit que la complexité, c'était un mot problème et pas un mot solution. Donc il ne suffit pas de dire que c'est complexe. Il faut peut-être essayer de regarder qu'est-ce qu'on peut faire. C'est une mise sous tension des individus. J'ai cru comprendre qu'un des mots de ce siècle, c'était la fatigue ou le mal de dos. Il y en a des plus graves sans doute, mais avec une difficulté qu'on a aujourd'hui, me semble-t-il, quand on est un individu, c'est que les technologies, et là j'interpelle mon voisin, c'est que les technologies nous donnent l'illusion de l'ubiquité, hein, des rêves de l'homme. Mais elle nous empêche aussi d'arbitrer. On se dit qu'avec ces trucs-là, on est capable d'être là, et puis ailleurs, et puis toujours être capable d'en faire plus. Théodore Zeldin, historien anglais, m'avait dit un jour que quand on voudrait travailler sur cette idée des technologies, quand on voudrait travailler sur les temps de la ville, il faudrait qu'on aille chercher du côté des artistes et du sensible. Parce que les artistes savent changer de veste en permanence. Or aujourd'hui, on est amené à changer de veste et de posture en permanence et de rôle dans la société en permanence et de les recomposer. Et on veut plus arbitrer. Et là, on est sur une logique qui serait une logique, disons, de fatigue d'être soi, parce qu'à force d'accumuler un certain nombre de fonctions, il y a un certain nombre de personnes qui me semble-t-il, sont victimes de,
de la fatigue d'être soi et voire de la dépression. Donc tension sur l'individu qui s'est pu arbitrer, tension sur une ville qu'il faut gérer, une ville à plusieurs temps, une ville qu'on appelle parfois polychronique, mais je ne sais pas si c'est un terme qui parle vraiment. Tension aussi sur les organisations, alors c'est des tensions pas très graves, mais essayer d'organiser une réunion d'équipe quand on a une société, une agence, ou quand on est à l'université, c'est encore pire. C'est-à-dire de se synchroniser à un moment donné pour faire entreprise ou pour faire société, c'est difficile. Tension sur la famille. Je me demande encore ce qu'est cette famille, c'est-à-dire quand on la représente autour d'un appartement. Alors évidemment, elle est recomposée déjà, elle est en permanence recomposée, mais quand on imagine l'appartement comme un tube de 24 heures, on y passe dans cet appartement, mais on s'y croise de moins en moins. Avant, on s'y croisait pour le repas de midi. On s'y croise plus, on s'y croisait pour le repas du soir, on s'y croise de moins en moins. Restait l'illusion du croisement du week-end, mais paraît-il, le week-end, on pose nos envies d'être ensemble et on va les poser ailleurs. Qui dans une randonnée, qui dans une visite de Disneyland, et donc on pose, et on va faire famille à Disneyland plutôt que dans l'appartement. Et si vous ne voyez pas vraiment à quoi je veux faire allusion, il y a un petit... Il y a un petit truc comme ça qu'on voit partout quand on visite un appartement, c'est les petits mots sur le buffet de la cuisine ou les petits post-it sur le frigo. Qui disent quoi? Qui disent bon, on va continuer quand même à essayer de faire semblant de faire famille. Ça veut dire qu'il y a un truc à réchauffer au micro-ondes. Il y a n'oublie pas d'aller chercher les gamins à la crèche et la voiture est chez le garagiste. Samedi, n'oublie pas qu'on a rendez-vous ensemble et qu'on doit aller. Donc, alors il y a des technologies comme celle-là qui vont plus loin, mais je constate que. Le petit bout de papier, il marche encore pas mal par rapport à tout ça. Donc on voit que là, il y a un phénomène d'éclatement aussi qu'on voit sur les territoires. Alors quand on fait des enquêtes sur les territoires et sur le développement de la ville et du territoire, il me semble qu'on oublie souvent deux types de personnes qui tiennent encore les territoires. C'est d'un côté les personnes âgées, qu'on voudrait d'ailleurs faire en sorte qu'elles restent à domicile le plus longtemps possible, en évitant de se poser la question de leur isolement, et de l'autre côté, les jeunes, les adolescents, qui sont là en formation sur les territoires. Et dans ces territoires-là, la plupart du temps, les gens ne sont pas, puisqu'ils sont ailleurs, ils travaillent ailleurs. Donc la question qui est posée aujourd'hui aux politiques, et parfois on nous la renvoie, en nous disant « mais nous, on n'est pas des saltimbocs, on n'est pas réduits au rôle d'organisateurs de fêtes », sauf que quand vous regardez l'agenda des fêtes dans tous les villages, dans tous les territoires, dans toutes les villes aujourd'hui, il se noircit, on en rajoute pourquoi, et on va chercher des racines, des fois on va sortir des fêtes de l'oignon, je ne sais pas d'où on les sort, des fêtes de l'asperge, des fêtes de la mécanique aussi, on va chercher des fêtes pour, pendant un moment donné, alors je ne sais pas si c'est une zone d'autonomie temporaire, mais essayer de se donner l'illusion de faire territoire. Moi la question que je pose par rapport à ces évolutions, c'est quand est-ce qu'on fait famille, quand est-ce qu'on fait organisation et quand est-ce qu'on fait territoire. Comment on peut être citoyen encore, dans la mesure où on vote là aujourd'hui où on dort et non pas là où on vit, hein, c'est exactement ce qui se passe. On va voter dans une petite commune périphérique, or le reste de notre journée, on le passe ailleurs. Donc la question qui est posée, c'est le rattrapage en permanence. On court après cette ville qui s'étend en permanence et ces territoires aux limites un petit peu flous. Et malheureusement, c'est le politique qui court derrière ça. Or, c'est quand même lui qui devrait donner du sens et du projet. Par rapport à cet éclatement, ces étalements et cette mise en urgence, il me semble aussi qu'il y a une question qui est posée, c'est celle des nouvelles inégalités. Inégalités temporelles, inégalités sociales, inégalités spatiales, inégalités générationnelles. Je vois souvent des personnes âgées essayer dans un arrêt de bus de trouver leur correspondance. Alors la ville devient complexe, diffuse, éclatée, peut-être intelligente, pas toujours, parce qu'on reste quand même à des outils, par exemple dans la signalétique, qui sont des outils très, très basiques et qui ne permettent pas d'assurer cette fluidité. Et puis il me semble une autre inégalité qui renvoie aux prothèses de technologie haute, qui est l'inégalité cognitive. C'est-à-dire on n'a pas tous la capacité à appréhender la complexité d'une ville et la complexité d'un système territorial. Autre contradiction que je souhaitais pointer, c'est cette idée qu'aujourd'hui, quand on regarde la notion de temps et la notion d'espace, on a l'impression qu'on est bloqué d'un côté sur la notion de temps dans l'urgence, on est sommé de faire vite, donc une dimension très, très contrainte du temps, et on est bloqué dans la notion d'espace, dans la proximité. Toutes les réponses devraient avoir lieu en termes de proximité. D'ailleurs, quand il y a un problème, on amène de la police de proximité, des services de proximité, et on ramène tout.
sachant que celles et ceux qui décident sont, eux, dans des sphères de mobilité et dans des sphères où, normalement, ils ont la capacité de se payer des services de temps et de se payer et de se débrancher. Voilà, parce que c'est certainement le luxe important. L'injonction qui est donnée aussi même aux exclus, c'est « bouge de là et construis ton projet ». Et on envoie ça à des personnes qui sont bloquées dans le présent et qui hurlent leur détresse dans le présent. Et ça me semble quelque chose d'un petit peu étonnant. Donc l'enjeu par rapport à ces évolutions, c'est un enjeu, moi, qui me semble un enjeu politique. C'est comment on peut dégager des marges de manœuvre en termes de temps. Je me souviens qu'il y a des grands élus qui avaient parlé de redonner du temps au temps. Donc comment on fait pour redonner du temps au temps ? Je rappelle quand même que dans la Grèce antique et chez les aristocrates français, on s'occupait de politique parce qu'on avait du temps. Aujourd'hui, quand vous essayez de travailler avec un homme ou une femme politique, elle a un agenda qui est noirci et elles n'en ont visiblement pas. Ou alors elles n'en ont pas, ou alors elles mettent en scène le fait de ne pas en avoir. Mais en tout cas, aujourd'hui, quelqu'un qui ne bouge pas et qui est assigné à résidence, c'est quelqu'un qui fait peur. Avant, c'est celui qui bougeait, qui faisait peur. Et celui qui aurait du temps, aujourd'hui, il fait peur. J'imaginais, mais je reviendrai là-dessus, j'imaginais qu'il fallait qu'on essaye de réfléchir la ville et les territoires en termes de flux plutôt qu'en termes de stock. Je constate qu'on est quand même encore sur le fromage, le fromage bien délimité et cette approche un petit peu, comment dire, de gestion des stocks plus que des flux. Ça vaut pour les électeurs, ça vaut pour les entreprises, ça vaut pour les étudiants. On est rarement dans une logique de gestion de flux et d'un système de flux. Deuxième élément, c'est penser la ville en fonction de ses temps et essayer d'aménager la ville en termes de temps. Les édiles, les techniciens, les aménageurs ont rarement réfléchi la ville en termes de temps. On l'a toujours imaginé en termes d'espace. Et ça me semble un point aussi important. Et réfléchir aujourd'hui, et les technologies nous permettent sans doute ça, non pas simplement en termes de citadins, mais en termes d'usagers de la ville. Aujourd'hui, je suis pour quelques heures à Paris. Je serai un utilisateur des services de Paris. Je serai un utilisateur des espaces collectifs de la ville de Paris. Pourquoi je ne pourrais pas être quelqu'un qui participe au débat public sur l'aménagement de ces quais, l'aménagement des espaces publics et autres. Et pourquoi il faudrait que je ne puisse participer qu'à un débat public à un endroit et voter qu'à un endroit où, paraît-il, j'habite, alors que cette notion a pas mal changé. Donc la proposition que moi je voulais faire, c'était pas de revenir à des temporalités et à des territoires archaïques. Je ne fais pas l'apologie du vivre et travailler au quartier, au pays et dans une espèce de développement bocal. Il y a une réflexion à avoir sur la mobilité et un état des lieux à acter, en fait. Et la deuxième proposition, ma proposition, c'était de réfléchir plutôt autour de l'idée de la malléabilité, de la ville malléable. Une ville qu'on pourrait plier, mais qui ne romprait pas et qui s'opposerait un petit peu à la ville 24 heures sur 24, à la ville et à la ville aussi éclatée. Ça nécessite une nouvelle ergonomie de la ville, des nouveaux codes pour partager l'espace, des principes réaffirmés. Il me semble que le droit à la ville, c'est un vrai principe, et il n'est pas limité à des frontières strictes. La notion de l'égalité urbaine, qui résonne quand on parle de centre-périphérie, la notion de polycentrisme, qui résonne moins quand on est à Paris, me semble-t-il, encore pour l'instant. Le surinvestissement sur le convivial et le réel, c'est-à-dire sur la proximité. Alors, surinvestissement factice ou réel, mais c'est la notion de la fête contre les réseaux et la fête contre l'hypermobilité. C'est la protection de temps particulier. Alors là, j'apparaîtrai peut-être comme réactionnaire, mais je pense que le dimanche, il a encore un sens. Le repas, même dans l'espace, pour les astronautes, il a repris un sens. On remange à nouveau dans l'espace, alors qu'on s'était suffi de quelques pilules, les temps de repas, le dimanche et la nuit. Il me semble aussi que par rapport à la ville malléable, il faut des nouveaux outils pour penser la complexité. Et là, les technologies, alors on n'avait pas la possibilité de projeter des choses, mais aujourd'hui, on peut représenter la ville dans sa pulsation. La ville qui évolue en fonction des heures, des jours, et on peut construire des images de la ville qui permettent à tout le monde de rentrer dans le débat. Une citoyenneté éphémère et en temps réel, comment on peut devenir citoyen éphémère d'une ville. La citoyenneté éphémère, elle a été définie par Hannah Arendt sur d'autres critères il y a quelques années de cela. Une éducation à la ville,
pense qu'on ne peut pas repenser ces questions-là sans qu'on ait une véritable éducation à la ville. Or, je constate aujourd'hui que la leçon de choses de mon enfance n'existe plus, alors qu'on est dans des choses beaucoup plus complexes. Donc, une éducation à la ville, une éducation à la complexité, une éducation au nomadisme. Si on trimballe notre identité, notre citoyenneté avec nous, mais comment on peut devenir aujourd'hui des nomades, pas simplement des nomades subis, une éducation à la prospective aussi. Voilà quelques pistes simplement pour lancer le débat ou provoquer mon voisin de gauche.